Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Voilà ce que nous venons d'écouter dans le livre des Lévitiques. Le Seigneur Dieu demande à Moïse de transmettre ce message à son peuple. Et puis, après ce commandement, tout un tas de commandements dans lesquels le Seigneur demande à ce qu'on ne fasse pas le mal. Et à la fin de toutes ces instructions, le commandement aimer. Alors oui, être saint, c'est ne pas faire le mal et c'est aimer. Voilà le message qui n'est pas nouveau. Même si Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Elle est où la nouveauté? La nouveauté, c'est en la personne de Jésus. Et c'est dans comme je vous ai aimé. Voilà, en grand pédagogue, le Seigneur nous demande quelque chose et nous montre comment le faire. Et en plus, il nous donne les moyens. En ce septième dimanche du temps de la résurrection, nous sommes entre deux fêtes. Le fête de l'ascension que nous avons fêté jeudi dernier, où le Seigneur met son Église en mission, et la fête de la Pentecôte dimanche prochain, où le Seigneur nous donne son Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Encore une fois, quand le Seigneur demande quelque chose, il donne les moyens, il montre comment faire. Saint Paul, dans son épître, avec beaucoup d'amour, écrit aux Éphésiens en disant qu'il rend grâce à Dieu pour ses Éphésiens, pour leur foi et pour leur amour, dans sa prière. Et Jésus parle à ses disciples en parlant de gloire. Le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié à travers le Fils. Alors comment faire le lien entre tout ceci, chers frères et sœurs? Nous avons beaucoup d'expressions au Liban et en Orient pour rendre gloire à Dieu. On rend grâce à Dieu devant un beau paysage. On rend grâce à Dieu devant un miracle, devant l'amour. Nous rendons grâce. Nous la rendons cette grâce à Dieu parce qu'elle vient de Dieu, cette grâce. Soyez saints, rendre gloire à Dieu, glorifier son nom. Tout se tient par le commandement de l'amour, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à aimer, comme lui. Nous avons eu l'occasion de méditer sur comment Jésus a aimé tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est à nous d'aimer, de faire comme lui. En ce mois de Marie, nous disons qu'elle est sainte. Sainte Marie, priez pour elle. Elle est sainte parce qu'elle a aimé. Dieu nous dit, soyez saints comme je le suis. Aimez, soyons saints, aimons. Et comme Saint Paul, rendons grâce les uns pour les autres. Et rendons grâce à Dieu pour les personnes que nous croisons, pour l'amour de ces personnes que nous croisons, pour l'amour que nous avons reçu de ces personnes. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de rendre grâce au Seigneur pour l'amour reçu. Et dimanche prochain, nous nous mettrons en mission. Nous recevrons l'Esprit Saint pour aller annoncer la bonne. Voilà la progression de cette liturgie maronite dans laquelle on est préparé tout au long de l'année. On rend grâce au Seigneur, on se rend compte que nous sommes aimés et ainsi on reçoit l'Esprit Saint et on peut annoncer cette bonne nouvelle. Au Seigneur la gloire pour les siens. قال لشعبه يكونوا قديسين بصير يقول شو ما لازم يعملوا وبالاخر بيقول انه لازم يحبوا يسوع كمان عم بيقول لتلاميذه حبوا وبيجيب بيزيد شيء زياده مثل ما انا حب بطل يسوع بحاجه لموسى ولنبي ربنا جسد تحت تالي يفرجينا كيف نحب واعطانا الامكانيه هو اللي عم بيعطينا روحه القدوس احنا المعمدين اعطانا روحه حتى لنحب مثل ما هو حب بهالشهر نشكر الله على امنا مريم العذراء يلي حبت ويلي فرجتنا هي كمان علمتنا كيف نحب كيف ضحت وكيف رافقت ابنا يسوع دورنا اليوم نحن كمان نشكر ربنا على كل ناس حبونا ونكون نحن من الناس اللي بيحبوا غيرنا حتى بواسطتنا يتمجد اسم الرب للرب المجد